Bon. Yo tout le Monde! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais poser des questions gênantes à Bijou. De quoi? Gênante, dans quel sens? Ben, c'est quoi gênant pour toi? Je sais pas, Genre, si je toi? te pose la question, tu fais genre. Ok, c'est ça? C'est ça qui est gênant? Je sais pas, moi. Ok, bon, bref. Les gars, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première question, ok, c'est Bijou, comment on fait des bébés? Pas obligé d'aller en détail et tout, mais tu peux, genre, tu vois, tu peux aller comme ça, t'es pas obligé d'aller en détail. Comment on fait des bébés? Un homme Deux. d'un homme et d'une femme. Et c'est ça. Ok, mais qu'est-ce que l'homme et la femme doivent comme faire pour comme, genre, vous avez appris ça à l'école ou non? Oui. Déjà appris? Nous, Oui. on n'a jamais appris. On n'a jamais appris ça à Oui. l'école, je n'ai même pas. On apprenait ça, mais genre, brièvement. Ça, je pense que le prof était gêné, genre, il était genre, il cringeait parce qu'il y a plein de gens qui riaient et tout là. Vous avez vraiment appris ça? Mais pas appris, mais genre on a appris les bases aussi. Est-ce que les gens riaient, hein? Ouais. Genre, toi tu riais? Ouais. Qu'est-ce que le prof a dit, genre, dis-le, mais sans aller en détail si tu veux pas, si t'es un peu gêné. Tu vois? Oh, c'est gênant, c'est une question gênante, il veut pas dire, il veut pas aller en On a détail. besoin. On a besoin. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Attends, je sais c'est quoi les noms. Attends, ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux Ok, parler? on a besoin d'une. Attends, on a besoin en science. D'une gamète, je pense. Gamète homme. Et d'une gamète femme. La gamète homme, c'est des spermatozoïdes. Et la gamète femme, c'est un ovule, je pense. Et là, on a besoin de faire un acte pour que les spermatozoïdes rentrent en contact avec l'ovule. Ok. Et après, l'ovule va se transformer en. J'ai oublié, je sais tout ça. Ah, neuf. Non, mais. Bref. Ah, avant d'être bébé, genre. Bref, ça va C'est une guerre. commencer. Il essaie d'aller. Bon, Ils sont des bref. millions. Ils sont des Je sais pas, millions. je sais pas, je sais pas, je Donc sais pas, je sais là, pas, je sais pas. celui qui réussit est le gagnant, genre. C'est ça. T'es le gagnant de millions. On est tous gagnants de millions. Le cap, C'est ça, c'est donc. ça. C'est ça, c'est ouf. Mais bon, Il est bref. unique. Deuxième question. Elle était assez gênante ou pas? Non. Quand tu bogues. Parce que j'ai réfléchi à ce que je veux dire. Je voulais pas être trop vulgaire. Je voulais pas Ok. être trop vulgaire. Ok, c'est quoi vulgaire? Dis-moi dans les oreilles. C'est quoi vulgaire? Dis-le. Est-ce que, genre, t'en as marre des gens qui viennent te voir là avant les matchs, ou un peu à l'école, ou un peu dans la rue? Oh bijou, ça, les vidéos avec ton frère, oh bijou, t'en as marre? Ça t'énerve ou pas? Genre, c'est comment, genre? Ou bien c'est entre les deux, des fois et tout? Non, ça m'énerve pas. Pas du Mais tout? juste une fois où ça m'a énervé. À quel moment? Qu'est-ce que la personne a fait? Je sais pas. Ah, Non, mais, ah, non, je bijou! dis pas. Je dis pas. Je dis Qu'est-ce qui pas. s'est passé? Qu'est-ce qu'il a Ouais. dit? Ok, dis pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dis un contexte, mais sans Mais dire ce qui s'est j'étais passé. juste à ma game de basket. Et c'était avant ma game. C'est tout. Les autres, c'est pas que ça m'énerve, mais genre. Ça m'énerve pas Genre, personnellement. c'est pas trop genre? Non, même pas. Ça me fait juste rire. Ça m'énerve pas. Ok. Genre, c'est tout. Mais ok, qu'est-ce qui te dérangerait? Qu'est-ce que quelqu'un ferait qui te dérangerait? Qu'est-ce qui me dérangerait? Moi, en vrai, si Quelqu'un tu qui me me... suit. T'es sûr? Oh, il Qui y en a me eu? suit. Il y en a eu? Non. Il y en a jamais? T'es sûr? Qui me suit. Il y en a déjà eu? Mais je. La meuf là? J'étais pas avec Bisous! elle. Bisous! Ah, mais ça, c'est différent. Ça me fait juste faire rire. Ça me Hein? fait juste faire rire. Qu'est-ce qui ferait? Genre me suivre jusqu'à chez moi, genre. Bon, tu fais pas la maison, hein? Tu fais des Lique, ouais, tours. ça. Lique mon adresse. Alors, c'est ça, hein, je Quelqu'un de pense. bizarre, ok. Juste quelqu'un de bizarre en gros, quoi, ouais. Comme quelqu'un qui est toi, alors. Trop bizarre, là. Genre trop investi, C'est genre. ça, genre, Je te qui suis. dit. Oh, bisous! Trop, trop bizarre, ouais. Ok, Trop ça bizarre. t'énerve, ouais. Bon, la troisième question est: comment on drague? Je sais pas, dis-moi. Phrase, on te pose des questions, je te pose des Bah, je questions. sais pas comment draguer, j'ai pas d'amoureuse. Comment tu ferais pour draguer? Voilà, comment tu ferais? Faut être drôle. Faut être drôle. Et c'est ça. Vous m'êtes drôle que beau. Le cap. Donc tu peux être laid et drôle. Ouais. Sérieux? Ouais. Comment tu sais ça? T'as déjà vu ou... J'ai vu ça. À part être drôle. Ouais. Allô? Qu'est-ce que les gens qui attendent? Si on attend! Genre, Genre, qu'est-ce qui... être drôle, mais pas dans ce sens, tu Mais qu'est-ce vois. qu'il faut faire? Pas! Dis qu'est-ce qu'il faut... Mais yo! Attends. Comment on drague? Je suis quelqu'un qui veut te voir, comment on drague? Tu me dis, c'est Genre, une draguer question. en un temps, genre? Comment ça en même temps, Comme pour genre? One avoir son shot? numéro? Long terme. Elle est dans ton école, voilà. Comment tu ferais? Ça, je sais pas. Hein. Le parler longtemps, Bijou, c'est si tout. t'es juste drôle, tu vas pas finir par être son ami clown? Comment Wow! on drague? Voilà. Merci. Voilà. C'est des questions gênantes. Je te pose des questions. Mais je sais pas, oui!
sais pas. Si toi t'as des amoureuses, dis-moi comment on drague. C'est ça que je pensais. Moi je sais pas, t'es folle. Ok. Si je viens à la maison, ok, avec une différente meuf chaque semaine, disons, semaine 2, j'ai amené une autre meuf, semaine 3, j'ai amené une autre meuf. Comment tu vas réagir? Chaque semaine, je vais avec une meuf différente, chaque semaine. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je veux dire, c'est quoi ça? Je fais pas ça? Un petit peu briser des cœurs. Ok, donc tu vas rien dire, genre, disons, je continue, tu vas rien dire après. Mais je pense que je vais snitcher. Moi, numéro 2, j'ai amené une. Mais comment tu vas les connaître? Tu les connais pas. Et je vais snitcher quoi? Tu nous as amené. Quoi, au cas. Tu m'as amené d'autres. Et c'est juste un exemple, hein, genre, je dis pas ça, je dis pas que je vais faire ça ou que je fais ça. Je veux dire, je n'ai ramené d'autres meufs. Ok. Oh, à la meuf que j'ai amené, je vais dire, je n'ai ramené d'autres meufs. C'est tout. Tu vas comment dire ça? Oui, mais bah, t'es en train de faire du mal aux gens. C'est pas bon. Je dis pas que je vais faire ça, hein, c'est juste un exemple pour voir comment il aurait réagi. Mais bon, en gros, il aurait juste. Junior, arrête. Je vais dire aux meufs. C'est juste ça qu'il aurait dit, quoi. Mais bon, bref. Prochaine question, tu veux faire quoi plus tard? Astronaute? Non. Aller sous l'eau là? Non, hell no! Yo! Mais là, je sais vraiment pas. C'est pas vrai. T'as le temps, t'as le temps. C'est qui j'aimerais? C'est coach de basketball. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ou non, professeur? Je ris à cause de Titanic là. Ou professeur? Okay, c'est cool. T'as. Ou businessman? T'as encore. Ou entrepreneur? T'as encore. 10 ans, 6, 7, 8 ans, il y a encore du temps. Il y aura peut-être des voitures volantes déjà, bro. Tu vas devenir un taxi volant. Yeah. On va faire un accident bizarre là. Prochaine question est, qu'est-ce qui t'énerve le plus à l'école? Quand t'es à l'école, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Quand genre le cours est ennuyant. Là. Donc le cours est ennuyant, t'es comme cours, ça? Le cours. Ah, sois moins ennuyant. T'es comme ça, genre? Okay. Comment ça? Qu'est-ce qui t'énerve? J'ai pas dit qu'est-ce qui te. Ok, je vais te dire deux choses. Ok. Genre, déjà, quand le cours est ennuyant, genre, il s'est passé 15 minutes seulement. Peut-être que je dis, oh, j'espère qu'il y a 5 minutes. Je regarde le temps. Il reste une heure encore avant. Je dis, mais comment? Comme je suis énervée. Quand tu fais rien, le temps passe moins vite. Mais non. Donc, ce que veut dire, tu fais rien en classe. On va dire. Non, c'est vraiment comme ça. Regarde. Quand tu fais rien, le temps passe moins vite. Parce que tu fais rien. La madame explique. Après, je suis comme ça. Ça finit comment? Comme ça, genre, quand c'est ennuyant. Tu savais pas comment, genre. Tu parles lentement, genre. Ouais. Bon, on s'en suit. Mais on genre, ce qu'on fait, c'est ennuyant. Ok. C'est quelle matière? Ok. C'est toujours ces profs-là. C'est toujours ces profs-là. C'est toujours cette matière-là. Devinez, c'est quoi la matière dans les commentaires? Je pense qu'il a pas envie que sa prof voit la vidéo. Ou bien quelqu'un pense à son prof. Et après là maintenant, bon bref, celle-là, comme toi, ok. Je pense que dès que je posais la question, il va commencer à se rire. Il va y penser, il répond bien. Je veux pas de un seul mot ou quoi, tu réponds bien, ok. Maman dit qu'elle va avoir un bébé, tu réagis comment? Je vous dis qu'il va se rire. Je vous dis qu'il va se rire. Tu réagis comment? Tu dis quoi? Au début, je serais pas d'accord. Mais si elle est déjà enceinte, tu seras obligé. Mais comment ça, pas d'accord, genre, c'est ton ventre? Mais c'est ça. Avant, je suis trop obligée. Ok. Je vais pas lui dire, ah, avant. Genre, c'est ça. Tu peux rien faire, en fait. C'est ça, je peux rien faire. Ah. Mais ça compte pas, ça ne risque pas. D'accord. Non. Je vais le last. When you don't know this, ça. Je suis fatigué. Si je quitte la maison, tu dis quoi? Tu réagis comment? Je vais avec toi. Mais si je te dis que genre, j'ai envie de quitter, mais d'être seul. Mais je vais avec toi. Mais genre, je vais quitter et je vais être seul. T'as pas compris, je vais être seul. Mais je vais avec toi. Non. Je vais avec toi. Mais je quitte là. Je vais venir avec toi. Tu peux pas quitter, venir avec moi, j'ai pas le temps. T'as une voiture, je rentre à la voiture. Je monte sur le toit si tu veux pas me laisser rentrer. Dans tous les cas, je vais avec toi. Ok, mais ce moment dit non. Je vais venir avec toi. Dans tous les cas. Maintenant, la dernière question est, pose-moi deux questions que t'as toujours voulu me poser et je vais répondre à 100%. Première question, je dois répondre. T'es obligé de répondre, hein. Ok, si je vois que c'est pas trop hardcore, bro. Non, t'es obligé de répondre. Vas-y, frère, vas-y. Est-ce que tu t'es. Non. Je vais te faire la main. Hein? LeBron? Oui. Non. Arrête de mentir. Mais si je te réponds. Non. Dernière. Non. Pose la dernière question, on se casse. Wesh. Si tu réponds pas, est-ce que tu as une coupe? Est-ce que tu as une fréquentation ou une copine en ce moment? Fréquentation ou copine en ce moment? Cinq.
Mais je réfléchis, je pense que non. Mais je parle juste avec des meufs, mais j'ai pas. C'est ça. Est-ce que dans ces meufs, il y en a une qui pourrait devenir ta copine? Et laquelle? Il y en a plein qui pourraient devenir mes copines, mais... Laquelle la plus? Dis la vôtre. Je sais pas, en vrai, non, en vrai, non. C'est qui alors? Dis-le à mes oreilles. Non, ça c'est, je dis que c'est un gros nom. Donc, les gars, voilà pour la vidéo. Like abonne-toi. Et puis, pour nos vidéos. Tu me poses une question gênante? On finit comme ça. Est-ce que t'as déjà fait l'amour? Bon, on se casse pour la vidéo, les gars.